à toutes et à tous, bienvenue dans le journal d'information d'Opal TV. Vous le voyez derrière moi, ou plutôt vous l'entendez, il y a un concert, c'est Evangélie. Elle participe à la fête de la nature et de la Flandre de Coudekerquebranche. Nous verrons cela dans ce journal. Evangélie en concert au cœur du parc du Fort-Louis. La chanteuse de 32 ans est venue participer samedi à la 66e fête de la nature de Coudekerquebranche, un événement qui lui ressemble, elle qui se bat depuis des années pour la cause animale. Je suis quelqu'un déjà qui est très en harmonie avec la nature. Donc quand j'ai su que ça se passait dans un parc tout vert autour, j'étais contente de participer d'autant plus. Il y a l'attrait musical et aussi l'attrait nature. Dans son nouveau spectacle inédit, Eve reprend les tubes de ses trois dernières décennies, une façon de toucher toutes les générations d'un public nordiste qu'elle connaît bien. Moi, je suis déjà venue à Dunkerque et surtout à Coudekerque même, d'ailleurs, il y a 10 ans exactement. Et c'était déjà pour un concert chanté au théâtre. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas de la démagogie, c'est sincère. C'est vraiment des gens très chauds, un public chaleureux. Et donc moi, je suis toujours contente de revenir, même si j'ai beaucoup de kilomètres à faire parce que je suis du Sud-Est. Yes ! Vas-y, Eve ! Evangélie continue d'écrire ses propres chansons en vue pourquoi pas de sortir un nouvel album. Mais depuis quelques temps, c'est la scène qui l'enchante pour le plus grand plaisir de son public.